explorer ce qui vous stimule. Dans cette période de nouveau de repli, c'est peut-être le moment de rentrer à l'intérieur de vous, d'analyser un petit peu qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui vous amuserait, qu'est-ce que vous avez toujours eu envie de faire que vous n'avez jamais fait. Et faites-le. Vraiment, profitez de ce moment aussi pour explorer des parts de vous, d'aller vous lancer dans des activités que jamais vous auriez pu faire parce que vous n'aviez pas le temps, parce que vous étiez pressé, parce que la vie vous mettait dans une espèce de rail comme ça, bicyclette. Sortez du rail. Sortez du rail et allez voir ce qui vous plaît. Moi, je suis fan de chakras, mais il m'a fallu aller explorer plein de choses pour aller découvrir tout ça. Aller à la rencontre des gens, aller lire des bouquins que jamais j'aurais pu croire que je pouvais lire. Donc c'est vraiment l'exploration en fait de son monde intérieur. Donc profitez de ce temps pour explorer ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous stimule, ce qui vous met en joie, ce qui... les voies, au fait, que vous pouvez vous autoriser à prendre. Donc voilà, je vous invite à explorer votre vérité intérieure, votre monde intérieur, à explorer ce qui vous stimule et à le vivre, vraiment, à le vivre. Merci.